Accélérée par les difficultés économiques et sanitaires qui pèsent sur les économies de différents pays, les nouveaux modes de consommation ont imposé une autre forme d'adaptation aux structures de production de biens et de services. Aussi, de nombreux consommateurs expriment de nouvelles attentes. Ce n'est pas facile, mais on est en train de faire chemin ensemble. Donc on est en train de travailler sur ça et s'adapter aussi à la demande qu'il y a sur le marché, en utilisant des moyens qui nous rapprochent des clients. Et voilà quoi, on utilise des réseaux sociaux et autres pour pouvoir satisfaire à cette clientèle qui veut bien consommer congolais. La plupart du temps, c'est la vente en ligne. Bon, de mon côté, c'est la vente en ligne. On publie et on a des amis qui, eux aussi, vont repartager sur leur statut. Et ça va intéresser d'autres personnes, des contacts qui sont autour d'eux. Et une fois le numéro passé, on est en contact avec ces gens-là. Et ils nous appellent et on a des services de livraison. Ces préoccupations intéressent en grande partie la classe moyenne, absorbée par le poids du travail et le désir de l'originalité. Il y a aussi le côté original, les personnes qui veulent découvrir le Made in Congo, consommer ce qui est fait localement, parce qu'avant on voyait ça ailleurs, sur d'autres cieux, ils se disent, ah ben tiens, ici on produit aussi le savon liquide, ben, j'ai vu, vous n'avez pas un point de vente, non madame, il n'y a pas, alors livrez-moi, je vais voir pour tester ce qu'on fait sur place aussi, ce que ça donne, comment ça marche et tout. La tranche d'âge varie, il y a aussi des jeunes, c'est vrai qu'il y a aussi des plus grands, mais les plus âgés sont souvent un peu sceptiques, mais beaucoup plus les jeunes. Pour être précise, moi, de mon côté, je peux être dans la fourchette de 22 à 40, à la quarantaine révolue par là, qui veulent être livrés. Ces désirs vis-à-vis de la qualité, de la santé et de la transparence. Ces désirs ont modifié le comportement d'achat. Bref, une petite révolution. Oui, ça bouge. Comparé même aux années passées, cette année en tout cas, ça bouge. Hein. Ça bouge, on va dire, la fin de l'année passée jusqu'à là, l'année en cours, ça bouge. Signalons qu'il s'agit de nouveaux modes de consommation à ne pas sous-estimer pour les professionnels de l'alimentation et de la distribution, car les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants.